Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec les frérots Inox. Frérot, ça sent très bon, c'est ça. Ça fait un an qu'on s'est pas vu. C'est vrai, ça fait très longtemps, les gars. Première fois qu'il est venu sur TikTok, tous les jours, je vous m'apporte jusqu'à voir Inox. Ça arrive. Et même jour 6. Le mec 10, frérot. Dites-moi. Nous, on perd pas le nord. Tout le temps, on est là au bon moment. Tout ça, je t'ai découvert sur la vidéo où t'avais ton studio à Webedia. Ok. C'est mon pote qui m'a envoyé la vidéo. Il m'a dit, regarde à la fin ce qu'il dit pour te motiver. Tu sais, le petit expo qui disait, les gars, croyez en vos rêves. Ah ouais, ouais, ouais. Et au final, un an après, il faisait des TikTok et maintenant, il est sur YouTube et il fait des vidéos. C'est incroyable. Le concept, je connais pas le concept. Ah, tu connais pas? Ok, parfait. J'ai juste vu la miniature. Ok. T'as fait avec Michou, je crois. Ouais. Mais moi, je me suis pas spoil pour mon épisode. On va devoir choisir entre deux portes qui mènent à deux pièces complètement différentes. Une porte chance ou une porte malheur. Ouais, pour la première porte avec Inox, faut que ça tape à l'œil, faut qu'ils disent waouh, faut en mettre plein les yeux en fait. Ouais. Va falloir que tu viennes là, hein, parce que ça va pas se créer tout seul pour l'entreprise. Hein. Ouais, j'arrive. Ah, attends. Tu me défais toute mon organisation là, parce que je sais pas si tu te rends compte, mais entre l'URSSAF, entre la création du statut, etc. Là, ça devient... Ça va être long, non? Ça peut prendre quelques jours, oui. Attends, on crée pas une entreprise comme ça en deux minutes. Hein. T'as pris tes rendez-vous à la chambre du commerce ou pas? Ouais. Mais ça va, c'est pas compliqué en fait. Oui, bah quand on fait pas la paperasse, oui, c'est sûr, c'est pas compliqué, oui. Ok, c'est bon. De quoi qui est bon? Bah ça y est, j'ai mon entreprise. Faut envoyer les papiers encore. Hein. Ah, mais tu connais pas Legal Place, papa? C'est quoi Legal Place? En fait, Legal Place, c'est une plateforme qui te permet de créer ta société simplement et rapidement. Tu remplis un formulaire en ligne et l'équipe de Legal Place s'occupe de tout. Des statuts jusqu'à la création complète de ta société. Du choix de la forme juridique jusqu'aux déclarations obligatoires. C'est qui là exactement? Avant, Legal Place, ils ont accompagné plus de 100 000 entrepreneurs à créer leur société. Et bon, je sais pas si t'es au courant, créer une société c'est une chose, mais ensuite, bah, il faut un comptable, C'est le petit plus, c'est qui gère ta comptabilité en ligne. Attends, t'es en train de me dire que je me farcie toute la paperasse comme ça depuis ce matin et tu viens de le faire en 5 minutes là? Ouais. D'accord. Ah oui, et d'ailleurs, avec mon code ANTO15, vous avez 15% sur vos frais de création. Créez votre société, donc le lien est en description. Non mais à qui tu parles là? À ma commu. À ta commu. Oh putain. Le cœur est rouge en ouvrant la porte. J'avais deux choix, je crois j'ai fait le bon. Mais la couleur là, elle veut dire au premier, faut pas prendre la rouge, y'a un truc mauvais dedans. Non, là il va penser ça. Du coup, je vais mindfuck, il va alors dire... Alors attends, parce que c'est pas moi qui organise, c'est la prod. Moi, je sais même pas non plus. C'est toi qui organise. Tu sais, le cadeau, là, il s'est chié dessus. Le pauvre, il est t'inquiète, ça va bien se passer, ça va bien se passer. T'es prêt? Attends, là, faut que j'ouvre une porte. Attends, d'abord, tu choisis. Tu choisis celle que tu veux. Par contre, c'est la première, je te laisse choisir. Après, crois pas, tu vas choisir toutes les portes. Ah, je choisis pas toi. Non, mon rêve. C'est qui choisit après? Après, on va voir, on va alterner, on va faire des petits jeux pour savoir par laquelle ça marche. Donc là, j'ai le choix, je peux choisir. Prends celle que tu veux, mon rêve. Frérot, moi, je suis un Dark Sasuke. Moi, je prends la rouge. De vrai? 2, 3. Oh, j'ai la boîte de Black Ops 2. Ouais. T'as quoi toi? T'as trop la rage. Attends, tu vas te faire mitrailler par un gars là? J'ai trop envie. Frérot, ça fait trop mal. Attends, t'as quoi toi? Attends, c'est du airsoft? Oui, c'est du airsoft. Mais il est mort, je me suis déjà fait tirer dessus en airsoft. Regarde comment je suis, regarde ma tenue quand même. Attends, les balles elles peuvent aller sur moi, force à toi. Attends juste en avant. Mais ça va trop mal hein. J'ai testé hein. C'est une horreur. En plus il a pas de protège. Hé, hey, force à toi. Ouais, ça dit quoi le sang? Hé, hey, j'ai un truc à te dire. Ça fait très mal. Force à Watt, on est pas ensemble du tout. T'es un bâtard. Mais gros, j'ai trop peur. J'ai une télé moi. Attends, mais y'a quoi dans ton coffre là? Je sais pas, y'a quoi. C'est la boîte de Black Ops 2 ça. Oui. Tu découvriras ton coffre à la fin de la vidéo. Ok les gars, la boîte elle m'a dit que je découvrirai à la fin de la vidéo qu'est-ce que j'ai eu dedans. Donc je suis hype, j'attends la fin. Lui il va se faire enclencher frère. Attends, j'ai tire-moi dessus déjà pour lui montrer comment c'est puissant. Passe sur la vite, t'es malade. Eh hey, arrête de flipper. Passe là la vite, mec. Vas-y, non, vas-y, tire. Wow. La lumière gros. T'as pété la lumière ce con. Hey, frérot, c'est fini pour moi. Eh hey, c'est quoi gros, va te faire foutre. Oh, comment ça va faire foutre? Ah frérot, je t'avais dit que ça allait faire mal. Ah frérot. Là, ça picote là. Heureusement, j'ai trop ouvert la bleue là, j'aurais été mort. C'est quoi là? Wesh. Oui. J'ai pas des traces. T'as des boutons? Ah mais oui frérot, ça fait des vrais bleus ça. Oh la sensation que j'ai eu. Moi j'ai un coffre et il me dit que à la fin de la vidéo j'ai quoi dedans. Je sais pas j'ai quoi. Attends, ça se trouve c'est un truc hard, je sais pas. Je sais pas. On passe à la prochaine porte. Allez, prochaine porte, let's go. Le cœur est rouge en ouvrant la porte. J'avais deux choix, je crois j'ai fait le bon. Yo. Deuxième porte les amis. Je suis stressé. Frérot, à toi de choisir. Tu sais quoi, on va faire un mini-jeu. Oh, t'es prêt ou quoi? C'est juste un drapeur ciseau quoi. Ok c'est bon. C'est bon. Un drapeur ciseau. Putain, zéro. On fait trois manches? Ah, trois manches! Vas-y. Un drapeur ciseau. Oh,
2-0. Je pue la merde à ce jeu. Un, deux, trois, pierre, feuille, ciseaux. Un, deux, trois, pierre, feuille, ciseaux. Et c'est bon, 3-0. Faire exprès de perdre ou pierre, feuille, ciseaux, comme ça son destin est entre ses mains et pas lui. C'est toi qui choisis, frérot. Moi j'ai. C'est plus ce que j'avais dit, putain. Moi je prends celle-là, allez, ciao. Ah merde, elle se voit pas. Non. T'as une préférence? Ah non, frérot, moi je dis rien. C'est toi qui choisis là. Ton destin, c'est toi. Si derrière y a un lion, frérot, c'est ton dos, c'est pas le mien. Tout à l'heure j'ai pris la bleue, là y a la rouge. Je vais prendre la rouge. Ok, cool. Je suis trop stressé, j'ai ma gueule. Je voulais prendre la bleue moi. Ah ouais? Si je dois être honnête, ouais. Ah oui. T'es prêt? C'est bon, cette histoire. T'es prêt? 1, 2, 3. Attends, c'est quoi ça? Moi, c'est des hot dogs, frérot. Moi, j'ai des hot dogs. T'as quoi, toi? Ben, gros, waouh, il y a un ring et tout. Ouais, je vois, frérot, il y a un hot dog. C'est quoi ce bordel? En gros, mec, c'est un déguisement. Mais non. Attends, c'est quoi ce bordel? Oh, le petit cri et tout, il est pas mal. T'as vu, moi? Je suis pas trop le délire là. Là, je vois des saucisses devant moi, frérot. Oh, mon gars, c'est trop bien, Kamaz. Mais oui. Ça va? Frérot. Ça va mon ref? Ça va? Bah on se connaît. Ah, on se connaît. Ouais. Attends, il va se faire taper, je vais devoir faire les log dogs en même temps. Bon désolé les clients, hein, je suis en train de mettre mon gant là. T'as un peu contacté, juste comme ça. Juste en l'air, tiens un petit. Damn les gens. Manto, t'es dans la merde. Moi aussi, regarde. Wouah! J'ai que 10 minutes pour servir tout le monde. Ok, tu veux quoi du coup? Attends, nous. Ah ok, on se tape pas, juste un entraînement. Frérot, t'as déjà vu le film Creed? Ouais, en plus il y a pas longtemps j'ai voulu faire 28 jours comme Creed et j'ai abandonné. Oh, Inox, quoi? Inox, Inox. Ouais. Eh, si YouTube ça marche plus, tu fais ça quoi? Ah, ah c'est un ouf toi. Tu veux un hot dog, ok ça marche. Avec ma saucisse. Comment ça mon ref? Ouais, alors. Vas-y, rush, boum. Ça marche, tiens. Wow. Oh, allez, je crois qu'il va falloir refaire là. Je kiffe, c'est trop bien, je me défoule. Tu veux du cheddar? Je sais pas, la dernière fois j'avais pris un grec qui m'avait pas mis cheddar. Ouais mais ça je m'en bats les steaks. Raconte pas ta vie, fille. Attends, il veut une patate, regarde, il va rien capter. Attends, dès qu'il prend le hot dog, Vas-y, vas-y. Wow. J'ai mis une patate de forain. Faut pas gâcher la nourriture. Tiens. Allez, ciao. Eh, il me paye pas. Eh, hey, c'est pas parce que c'est une vidéo YouTube que tu payes pas. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il snap lui? Wesh. Frérot, Inox. Okay. Inox. Si elles sont. Oh, laissez-moi mes clients. Et il prend en photo en scred, je l'ai vu. Eh, hey, il m'a pris en photo. Oui, en scred. Là, regarde son téléphone. Comment il prend ça, en scred en photo. Tu m'as pris en photo? Tu m'as pris en photo? Noni. Vas-y, et une sur les deux. Vas-y, frérot. Moi, j'ai envie de. Donne-moi un peu d'harissa. De l'harissa? Attends. Un peu d'harissa. Ah, mais y a problème là. Oh, tu mets la sauce. Regarde la saucisse, elle va voler. Elle va voler la sauce. Monsieur. Mais y'a un problème là. Monsieur. Oh monsieur. Vous voyez pas que je suis en train de galérer là? Faut essayer lui. Respecte le client, wesh, mon ref. Il est vraiment saoulé. Il est vraiment saoulé. Tenez, alors, une saucisse. Je sais pas. Je crois que c'était celle qui est tombée. Mais pas du tout. Oh, mais regarde. Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Oh, allez, tenez, prenez votre sandwich. Non, mais tu mets l'harissa, tu mets l'harissa. Y'a plus d'harissa là, c'est la hess là. Regarde comment il sert ça. Il en a rien à secouer. Tu veux quoi? Allez, vous n'avez que ce style. Que ce style? Y'a pas d'autre? Ben non, t'as cru ils sont habillés en Gucci les hot dogs ou quoi? T'adore les. Bah faut pas gâcher. Non. Mais faut pas gâcher. Non, ça je peux pas. Mais attends, je peux pas. Vous êtes pour le gâchis? Je peux pas. Heureusement que j'ai pas choisi cette porte. J'aurais été vraiment premier degré mal. Je vais faire des photos. Ok. Des photos de quoi? Pourquoi tu veux prendre des photos? C'est pour ma chaîne YouTube. Ta chaîne YouTube? Tu fais des vidéos? Non mais en fait il est inspecteur. Il prend des photos. Merci l'hygiène. Bah, c'est vrai que là c'est un contrôle d'hygiène, c'est le pire hot dog de France. Bah, tiens, il percute. La saucisse c'est pas. Patate de la saucisse. Frérot Inox, je suis désolé mon ref. La saucisse. Mais pardon, moi je m'entraîne. Pour mon âge et qu'on les appareils. Moi je vous sers pas moi. Et la saucisse là, putain. Tu vas la manger. Mange la saucisse. Tu vas la manger. Il a cassé.
Qu'est-ce que tu fais, mon ref? Un caleçon de fou. Je vais vous montrer ce que je fais. Tiens, prends ça sur l'autre main. Voilà, parfait. Hop, parfait. Hop. Qu'est-ce qu'il fait avec des missions? Non. Voilà, bouge pas. Surtout, la tu bouges démission. Pas. Tu vas voir, c'est incroyable. C'est même, vous me voyez pas. Voilà. Voilà. Il a brillé. Voilà. Il a l'autre dans les mains. Voilà, on vient là. Voilà. Voilà. La fin, c'est... Voilà, bien vu. Eh, tchuss. Hein. Allez, tchuss les frérots, moi je me casse. Non. Ça, pas de gâchis. Hein. Mais c'est donc... J'ai payé pour que tu lèches. Eh, Anto, c'est ta vidéo aussi, pas de gâchis. Hein. Ça, les cornichons, on coupe la caméra, je les vois plus par terre. Allez, bonne soirée les gars. Bon les gars, Inox m'a un peu embrouillé. Allez. Ouais, ouais, attends frérot, deux secondes. Allez. Pas de gâchis, il m'a dit. Donc, c'est bien, montre le bon exemple. Non, elle, c'est bon, elle est dedans. Pas de gâchis. Ouais, non, t'inquiète, c'est super bon. Le cœur est rouge, en ouvrant la porte, j'avais deux choix, je crois que j'ai fait le bon. 3ème porte. T'es prêt? Frérot, toujours prêt, toujours à l'affût, et c'est le cadreur qui choisit. Non, je rigole, il sait ce qu'il y a derrière la porte. Ah, non, tu sais ce qu'il y a derrière la porte? Bah oui. Vas-y, va sur ça. Non, il triche. Va sur ça. Il triche, il triche. Attends, t'as dit que je choisissais. Non, mais il connaît ce qu'il y a derrière la porte. Attends, à votre avis dans les commentaires, laquelle c'est la bonne? Attends, celle-là, il y a un axe à 90 degrés, celle-là aussi. Le cadreur, il me dit prends la porte bleue, l'autre, il me dit prends la porte moi, rouge. Moi, je te dis, frérot, prends la porte rouge. Toi, tu me dis prends la porte rouge. Mais j'en sais rien, moi, ce qu'il y a derrière. Mais dans la vie, est-ce qu'il faut faire confiance aux gens? Non, je suis d'accord avec toi. Faut pas faire confiance, mec. Si je me trompe, j'apprendrai de mes erreurs. Voilà, exactement. Prends la bleue, moi. T'es prêt, frérot? 3, 2, 1. Quoi ce bordel? J'ai une tenue chantier, frérot. Cool. On a la même chose. Ah, mais toi aussi? Frérot, on a pareil. Bah j'ai... ouais. Toi, t'as du bleu, moi j'ai du rouge. T'as aussi un sac? Ouais. Y'a quoi dans mon sac? Porte le sac, gros. Wow. Toi aussi, il est lourd. Ouais, ouais, gros, il est méga lourd. Ah ouais, moi, y'a du lourd dans le sac. Fait quoi, on s'installe? Bah, moi, je m'habille, ouais. Vas-y, go. C'est quoi ces chaussures de rando là? Tu veux voir mon caleçon, là? Ah, tu te mets à poil à l'intérieur, toi? À poil, Non, mais je me mets en caleçon, quoi. Mais arrêtez, en plus, je bande. Wesh, t'as une enveloppe toi aussi? Ah, moi aussi j'ai une enveloppe! Attends, viens, on s'habille. Je pense qu'il y a 30 kilos dans le sac. Ça va, nous on est entraînés. C'est quoi, tu me dis en premier? Vas-y. Il est l'heure de monter l'Everest. C'est quoi ça? Comment ça, mon ref? Il est l'heure de monter l'Everest. Comment ça, mon keuf? Comment ça, mon bœuf? Allez, viens, on va monter l'Everest. Allez, c'est parti. Let's go, c'est où qu'on va? C'est par là, l'Everest. Allez, je te suis, on va monter l'Everest. Wow. Let's go. C'est le premier qui brandit son drapeau en haut qui gagne. T'es prêt, mon gars? Ok! Ouais! Abonnez-vous à Anthony Priolo. Oh! Abonnez-vous à Inox Tag. Let's go! Let's go! Attends, mais là, ça commence à monter. Là, je peux courir et monter. Non, on commence pour qu'on s'attache. Ok, ça marche. Le gars, il était trop déter, il en pouvait plus. Ça marche. Oh la dinguerie. Allez, bon courage. Ok, le premier en haut. Rendez-vous, bon courage. Mec. Rendez-vous là-haut. Putain, c'est chaud! Wesh! Wow. Oh putain, c'est chaud! Tu sais que c'est trop chaud! J'arrive pas à tenir debout, frère! Non, Spider-Man, s'il te plaît! Tu glisses pas, toi, encore? Mais gros, moi, j'arrive pas à monter, frère! Eh, hey, mais frérot, c'est trop chaud! Mais en fait, les 30 kilos dans le sac, ça va être chaud! Ouais! Frérot, c'est immontable! Anto, t'es trop chaud! Arrête! Ok, essaye sans le sac déjà, je pense que tu arriveras mieux. Tu vas voir, sans le sac, je pense que tu vas y arriver. Putain, c'est chaud, sa merde! Les gars, mes prises, elles sont tournées, frérot! C'est immontable! Ah, là, j'en peux plus! Et les prises, elles sont... Frérot, c'est horrible. Les prises, elles sont gaises. Ah, les prises, elles sont trop gaises, les gars. C'est frérot, les prises, moi, je peux même pas mettre le pied. Attends, je suis dans mon jardin. Frérot, le truc, il fait que bouger. Il fait comme. Il me déstabilise de fou, c'est un calvaire. Gros, si c'est ça, l'Everest. Non. L'Everest, frérot, le mur, il bouge pas. Hein. C'est pas un mur d'escalade, c'est un tapis de course. Vas-y, on va essayer encore deux fois après on arrête. Allez, Anto, t'es prêt? Oui. Allez, Anto. Allez, Anto. Allez. Non! Tu es presque, regarde! Allez! Ah! C'est horrible! T'es sauvé! La toile d'araignée! Allez, le sac glisse en haut là! Que ça glisse, frérot! Allez, Anto! Allez, Anto, tu es presque là! C'est le mur de l'impossible! Je m'avoue vaincu. J'applaudis les amis, j'applaudis. Hein.
parce que franchement, c'était chaud. Bravo, Mouret. Franchement, t'as d'être ça. T'as eu la technique, t'as gagné. Ouais, mais on voit parmi les deux là, qui a deux doigts de vomir ça. Antoine, il est au bout de sa life. Les chaussures là pour monter, frère. Tout était horrible. Le sac, c'était impossible. Ouais, avec le sac, c'était. En fait, fallait coller au truc, vraiment être collé. Et... même avec la GoPro et tout. Mais même en enlevant, moi, j'ai pas réussi. Hein. Big up. Ah, on passe à la prochaine porte. Let's go, prochaine porte. Fiu. Le cœur est rouge en ouvrant la porte. J'avais deux choix, je crois que j'ai fait le bon. Quatrième porte. T'es prêt? Toujours prêt. Frérot, j'en peux plus, je récupère à peine de l'Everest. Enfin, de l'Everest. De l'Everest. Bon, mon ref, c'est quoi? Je te laisse choisir. Moi, je pense que la bonne, les amis. Attends, je te laisse faire le choix, je me mets au milieu. Elle est là. Ça sent bon, cette histoire. T'es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1. C'est quoi cette ambiance? Wesh. C'est quoi cette ambiance, gros? Moi, wow, je... toi, c'est le bordel aussi? Moi, je suis dans un dîner, je sais pas, je comprends pas là. C'est quoi le bordel? Hein? Boxtag Food. Bienvenue au restaurant L'Asile Culinaire. Je te laisse découvrir le repas seul, mais il semble que nous n'avons plus grand chose en stock. Je dois manger un burger mystère. Eh, hey, t'as quoi, toi? Alors, Formule 4, baptême, cascade, drift, jump. Oh. Oh non, 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 non. Ah non, toi c'est quoi la Formule 4? Non, non, c'est non, quoi, j'ai un burger mystère. Les gars, je sens que je suis mort. Salut, ça va? Oui, vous? C'est du ketchup ça. T'es un vrai cuistot? Bah oui. Ah, donc tu m'as fait un vrai burger? Bah oui. Oh le bâtard, il est trop beau. Attends, mais c'est un vrai burger en fait. Mais attends, mais quoi? C'est quoi cette bonne... Attends, j'ai un truc bien en fait. Ah ok, j'ai capté. C'est sur l'intérieur, il y a une dinguerie. C'est quoi ça? T'as caché le bœuf. Ouais. Ça, ce que tu vois, c'est une sauce cheddar. Ça, c'est du ketchup aussi. C'est du ketchup ça? Ouais, ketchup maison. Vas-y, je vais goûter le burger du chef. J'ai eu le bon truc en fait. Ouais. Attends, mais moi, je vais me retourner, je vais avoir des problèmes. Ah, il kiffe, je crois. Ah ouais, t'as eu le bon truc, mon ref. Par contre, gros, c'est pas gentil, le pauvre, regarde-le. Gros, t'es un bâtard. Mais qu'est-ce qu'il y a? Y'a quoi? Non. Non, regarde. C'est quoi? Oh, j'en pleure tellement c'est bon. Oh, j'en pleure. C'est excellent. Merci. Et c'est quoi, gros? Attends, tu peux sortir deux secondes? Je me sens pas bien. Merci, mon ref. C'est le pire burger que j'ai jamais mangé. Le mec, il avait l'air trop bon. Mais gros, il a l'air trop bon, c'est quoi dedans? Frérot, il y a un truc bizarre dedans. Je sais pas il y a quoi, mais j'ai tapé un croc, j'ai envie de dégueu, frère. C'est genre le pire goût de ta vie. Frérot, c'était dégueulasse. J'ai tapé un croc dans le burger, et ça voulait pas rentrer. Tu sais, il y a quoi dedans? C'est bon, normalement. C'est... Non, me dis pas que normalement c'est bon, les gars. Normalement, c'est bon. Le pauvre. Je suis avec ces deux fous, là. Hein? C'est bon, normalement? Non, mais c'est vrai ou pas? Dites la vérité. Normalement, c'est bon. Mais non, c'est impossible. Mais mec, c'est impossible. Pourquoi j'aurais un truc bien, moi? On peut non. pas avoir tous les deux un truc non, bien. Non, les gars, c'est impossible. Attends, non. Frérot, custo, non, il est super bon, ton burger. Merci. Viens, viens. Non, attends. Je rigolais. Je rigolais. Regarde ce faux cul. Putain, non, c'est juste, moi, j'ai du mal avec le steak haché quand il est pas trop cuit. Inox, t'es faux cul, là. Hein? T'es faux cul, là. Je suis quoi? T'es faux cul. Je suis faux cul? Non, je te jure, c'est juste moi le steak trop cuit comme ça, je peux pas. Tu peux nous dire les ingrédients? Les vrais ingrédients? Ouais. Alors du coup, donc déjà, il y a des oignons avec du jus d'orange. La bande de bâtards, vas-y. Eh, vas-y. Eh, vous foutez de ma gueule, c'est bon. Bon, c'est parti, on va drifter. Ça sent bon cette histoire, pas pour moi mais pour toi. Frérot, ça c'est de la BF. En vrai, j'ai un peu peur parce que j'ai là, jamais il va t'envoyer un enfer le je sais pas comment attendre. En fait, t'es sûr que c'est la bonne porte? Frérot, je pense que tu vas vivre un bon truc. Ouais, ça va être stylé. Je pense que tu vas kiffer. Bon, allez, c'est parti là, on y va. Là, j'ai pas le temps de prendre du retard là. Bah, tchuss, frérot. Il va l'envoyer en enfer là, on va voir ce que ça donne. C'est normal, les cassures sur le pare-brise. Ouais, c'est normal. Ok. De toute façon, j'ai confiance en toi. Hein. Ok. Envoie-le en enfer. On est-y part. Allez, c'est parti pour moi. Ah ouais, c'est pas le même délire là. Wesh. Wesh. Je crois qu'ils arrivent. Incroyable, Samir. Attends, mais il revient de l'autre côté.
là il est chaud hein. En vrai je suis très heureux d'avoir mangé un burger dégueulasse. Oh, tu veux faire un truc là? Wesh! 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 Mais frère, quoi? Comment tu fais ça? C'est pas humain! Quoi? Là, mais frérot, c'est physiquement impossible ça! Attends, mais elle roule en plus! Attends! Non, il est trop chaud! Qu'il a fait frérot, c'était chaud, t'es comme un... Wesh, il a volé là. Eh frérot, il maîtrise hein. Le dérapage. Ah non, il est monstrueux frère. Frérot, le deux roues là, j'ai choqué frère. Je crois que c'était un mythe ça. Frère, j'ai vu la voiture, je me suis dit, mais c'est physiquement impossible. La première fois que je fais ça, c'est une blague. Hein. En ouvrant la porte, j'avais deux choix, je crois j'ai fait le bon. Les amis, mettez votre plus gros pouce bleu pour cette vidéo à partir de maintenant, parce que franchement il mérite, il a organisé la vidéo, il a tué ça. Je compte sur vous pour mettre le pouce bleu, choisis la rouge. T'es sûr? Là c'est la dernière gros. C'est la dernière? Je crois que c'est hard la dernière, ils m'ont dit c'est salaud. Ok, choisis la bleue. 3. Je vois du sable par casser hyper. 2. 1. Go. C'est 7 jours sur une île. Ouais gros mec. C'est un fou. Mais frérot, le problème avec ça, c'est que moi, c'est mes frérots moi. Il est beaucoup trop à l'aise. Moi frérot. Moi il est beaucoup trop à l'aise. C'est mes gars sûrs moi. Ça veut dire moi, tu peux pas m'avoir avec ça. Moi je suis à l'aise avec les reptiles. C'est quoi derrière toi? Hein? C'est quoi derrière toi? Je sais pas, il y a quoi derrière. Par contre, il est magnifique le serpent. Regardez-moi ça les gars. Je kiffe les reptiles. Tu sais que je suis fan de reptiles moi. Hey, on est là le charmeur de serpent. Bon, je vais le reposer. Moi que c'est un truc qui va pas aimer parce que là sinon je suis dégoûté. Ouvre-moi. C'est quoi je veux voir? Bon les amis, ce qu'il y a là-dedans, ça peut faire peur. On va ouvrir ce qu'il y a. Bon, heureusement, j'ai pas peur des serpents. Maintenant, je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. C'est quoi? Oh non. C'est quoi? C'est un bain glacé. Yes. Mec, vas-y, je vais me changer. Bon mec, nous on est bien. C'est hyper confortable. Je suis pas bien du tout. Donc c'est quoi ce transat de merde? Okay. Et je mets le chapeau. Est-ce que là t'es bien? Ah bon, le chapeau c'est ridicule sur moi. D'ailleurs en fait je trouve que j'ai pas une tête à chapeau. Est-ce que là t'es pas bien? Les frérots, y'a rien de mieux pour la récup qu'un bon bain glacé. Et tu sais quoi? Je veux aucune réaction sur ton visage. Si t'es un vrai bonhomme. Oh, on y va. Aucune réaction mec. Faut, je crois qu'il faut prendre sa respiration mec. Il faut respirer doucement. Hein? Faut respirer très doucement. Ah, j'ai froid au pied là. Donne-lui la serviette, le pauvre. J'en peux mes pieds. Les pieds ça fait trop mal. Ah ouais? Ah ouais. Mais à vous ça fait du bien quand tu sors? Oh ça fait du bien de baiser. Frérot, cet hiver je m'en mets un dehors tous les matins j'y vais. J'ai compris comment c'est incroyable. Bah attends, mais t'es censé être la mauvaise porte là, t'es pas censé être content. Et retourne. En fait non, j'ai trop mal aux pieds. Ah, j'en ai plus ma bise quand j'étais dedans. Oh bonjour. Mais incroyable. Merci. Inox, regarde. Quoi? Le cocktail est trop beau. Oh le bâtard. Incroyable mon ref, je suis trop bien. Mais non. Il est très beau le cocktail. Putain mais il a une serveuse de Tahiti et tout. Et moi je suis là avec des serpents frère. Il est trop beau mec. Putain mais je suis tombé sur tous les pires trucs en fin de vidéo. Heureusement je me suis pas tapé l'Ursof parce que l'Ursof ça allait être chaud hein, les gars. Par contre j'ai fait un truc de fou mais j'ai peur de le faire. Je sais que je peux mettre ma bouche tout autour de ça. Oh, s'il éclate le verre, je suis fini. Non, on va pas le faire. Mais j'ai une bouche. Enfin, ouais. Mais attends, là quand on va sortir, c'est quand que je sais j'ai quoi dans la boîte moi? Bah là maintenant. Ok. Ah, j'en ai un deuxième. Je vous apporte un deuxième cocktail. Oh, dommage merci. Que vous ayez personne avec qui. Un deuxième. Partager. Ah dommage, ouais. Je suis tout seul. Putain. Je vais devoir en boire deux. Ah, tiens. Sur nous deux. On est bien aussi, hein, tous les deux. Non à ce tournage incroyable. À ce tournage incroyable, les gars. Bon, mon ref.
Diego, on arrive à la fin de cette vidéo. Mais alors, j'ai passé un super bon moment. Merci mon ref, ça fait trop plaisir. Ça fait plaisir. C'était le but, je me suis trop amusé. Lâche kiffé, mec. Et attends, le coffre-fort au début de vidéo, vous vous souvenez? Le coffre-fort, c'est quoi ça? On n'a pas oublié. C'est bien ou c'est pas bien? Pareil, c'est horrible. Mais non. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Non, toi, tu t'es fait mitrailler au airsoft. Ouais. Donc ça veut dire, moi, je pense que j'ai un truc bien. Ouais. Non. Ça, je veux pas une deuxième Michou. Avec Michou, déjà, il avait gagné. Non, mais c'est pas une vraie paire. Non, il y a du scotch. Là, je me fais baiser, les gars. Attends, mais c'est bien ou pas bien? J'en sais rien, vas-y, ouvre, frère. Vas-y, enlève-moi ce plastique. Attends, y'a vraiment une paire. Oh, gros chien. Oh non, je l'ai voulu trop. Let's go. Michou, la fois, il a fait pareil. Deux fois, je vais faire des Jordan. Attends, tu les as eu où, gros? Je suis allé les chercher hier, c'était la galère de fou. Je suis allé à With A New, ils m'ont offert. Eh, With A New, merci beaucoup, vous régalez. Putain, oh là là, grâce à vous, il y a un bête de cadeau là. En fait, c'est les rituels ici, j'offre des Jordan aujourd'hui. Elle est fraîche, hein. Elle est vraiment ta. Ouais, je mets 6 mères, gros. Merci, les frérots. Bon, bah, frérot, merci de m'avoir invité pour cette vidéo. C'était une dinguerie. Encore merci à Legal Place d'avoir sponsorisé la vidéo. Sans eux, ça aurait pas été possible de faire autant de trucs. J'ai adoré faire ça avec, c'était une dinguerie. Avec plaisir, pas de soucis. Merci encore. Et mettez des pouces bleus, abonnez-vous, mettez la cloche. Regardez ces prochaines vidéos, merci, je compte sur vous. Donnez de la force dans les commentaires. Soutenez, c'est ça qu'on veut. Et dans les commentaires, dites-moi c'est qui le prochain. Merci, les Tchuss. Bisous.